équipes sur le terrain. Présentation publique, en bleu à votre droite, l'équipe de Troyes, leader de ce championnat de D2, on vous l'a dit. À gauche, dans ses couleurs habituelles évidemment, en vert, la Saint-Étienne. Avec un bon tacle de Gauvin qui peut dégager. Frappe de Guimard. Alonso était là. Au second poteau, il est tiré, ce corner, ça revient sur Guillou. Qui a tenté la reprise. Le ballon n'est pas perdu, Simo. Qui remet devant la cage, Timothée qui se jette devant Weber et qui fait faute. Toujours au deuxième poteau. Bilong, trouve Soukas. Centre de Jean-François Soukas, ça c'est dommage. En deuxième, Borido, c'est Simo qui menace la frappe. Beaucoup trop aérien ce tir. Mais première réelle occasion pour les Stéphanois. On a pu trouver Maurice. Et hors-jeu, très net. Largement hors-jeu. Bilong qui a un peu de champ. Et Astier qui est monté. La surface de réparation, Lilian Astier qui va pouvoir tirer et qui marque. Fantastique pour Lilian Astier pour ses débuts en professionnel. Voilà un but splendide. Lilian qui occupait ce couloir depuis un bon moment et qui vient de crucifier Weber. 1-0 pour la Saint-Etienne. Après 36 minutes de jeu, Weber qui s'attendait lui au centre en retrait a été totalement surpris par cette frappe de Lilian Astier. Qui donc donne un peu d'air cette équipe stéphanoise et on espère qu'elle va continuer sur cette lancée. C'est parti pour cette seconde période, toujours 1-0 donc pour la Saint-Etienne avec ce but d'Astier en première mi-temps. Guimard. Joukic. Faute de Guillaume. Qui a fait un petit coup de coude de la part de Joukic. Et Gauvin qui s'est fait expulser. Joukic qui se fait expulser. Joukic, oui. Oui, parce que c'est pas Gauvin, c'est Joukic. Oui. Je voyais monsieur Fidry sortir le carton rouge face à Gauvin, je ne comprenais pas. Long. Loin devant, Didier Timothée est parti, Weber est sorti devant l'attaquant stéphanois. Maurice, pressing des Stéphanois. Ce casque a fait la faute. Et Astier qui prend un avertissement. Pour avoir... Et qui prend un carton rouge puisqu'il a déjà eu un carton jaune. Et oui. Quelle catastrophe, c'est pas possible, c'est idiot. Ah, c'est vraiment ballot. Pour avoir centré ce ballon après le coup de sifflet. Monsieur Fidry l'a pris comme un acte d'anti-jeu. Il expulse l'arrière stéphanois qui dans sa première soirée dans le groupe pro à Geoffroy Guichard a marqué un but et se sera fait expulser. Rapidement joué cette touche vers Temsik. La lutte avec Hernandez. Temsik qui centre, attention au deuxième poteau à l'intérieur. Splendide de Simon qui vient sauver sa cage. Superbe Augustine. Ah oui, là parce que Maurice avait armé sa reprise de volée au second poteau. Sans peur, Simon allait mettre la tête. Oh, l'arrêt de Jérôme Alonso. La parade, mais finalement but et égalisation. Cette équipe troyenne après une première parade splendide de Jérôme Alonso. Égalisation par Romano alors qu'il reste 22 minutes à jouer dans la partie. Troyes qui a été remis en selle par cette expulsion très sévère. Mauvaise relance avec Christophe Lagrange. Christophe Lagrange qui va pouvoir servir peut-être et qui va tirer. Il arme son tir, c'est dommage. Et Guillou qui revient bien. C'est bien joué.
Belle frappe de Guimard. Anthony Gauvin. Intervention de Pierre També. Maurice. Ouverture dans le dos de la défense pour Tom Zic face à Jérôme Alonso. Et Alonso qui sauve son but. Change bien sur Hernandez. Qui va rentrer dans la surface de réparation. Ah, il y a une faute sur Stéphane Hernandez. Et l'arbitre ne dit rien. Attention à ce corner de la dernière minute. Bien tiré. Jérôme Alonso qui nous sort encore une balle. Patrick Guillou aussi qui fait cette touche. Duvaux qui prolonge et Weber qui se saisit du ballon. Alors que M. Fidé siffle la fin de ce match. Un nouveau match nul pour la Saint-Etienne qui ne prend qu'un point. Un but partout. Premier but en première période de l'Union Astier, égalisation de Romano. Et des Troyens juste en bas de nous qui font la fête. C'est dur encore une fois pour la Saint-Etienne. Ah oui, c'est dur. Comme je vous le disais tout à l'heure, la SS avait toutes les cartes en main. Malheureusement, bon, il y a eu cette expulsion, on ne va pas y revenir. La SS a montré de bonnes dispositions, ils font continuer à travailler.